Je ne voulais pas vous faire peur. Vous êtes un has-been. Votre heure de gloire est derrière vous. Une période au cours de laquelle les gens de pouvoir pensent qu'ils peuvent garder leurs secrets, et ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça continue. C'est fini ce temps-là, je vous assure. On est entré dans une ère post-complot, post-dissimulation, si je puis dire ainsi. Eh bien, je pense que les gens ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je crois qu'il y a toujours une vérité objective, une réalité objective. Oui, alors. Revenons à l'effet Mandela, par exemple. Eh bien, dans le temps, je serais jamais venu ici et je vous aurais jamais avoué que je suis tout à fait capable de modifier la mémoire collective. Cela aurait voulu dire que je pouvais aussi contrôler le passé. Et si c'est exact, alors comme le disait Orson Welles, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. C'est George Orwell qui disait ça. Pour le moment, enfin bref, le plus important, c'est que je peux vous parler de tout ça ouvertement parce que je me fiche que quelqu'un nous entende. De toute façon, personne ne saura s'il doit y croire ou pas. Pour être honnête, moi j'y crois pas une seconde. Bien, pensez ce que vous voulez, c'est ce que tout le monde fait déjà, de toute façon. Vous ne faites que prouver ce que je dis, crétin. Quoi ? Mais je dois avouer que vous avez raison. Je ne peux en effet manipuler l'esprit de personne. Et puis entre nous, je n'en ai pas vraiment besoin. Il suffit seulement que quelques-uns soient convaincus que c'est possible. Ensuite, il ne me reste plus qu'à semer les graines de l'incertitude. Tout ce qu'ils font en réalité, c'est un ordinateur. C'était ça votre but, la propagation de fausses informations sur le net ? Peut-être bien. Vous savez, notre président actuel a dit quelque chose d'une grande profondeur. Il a dit « Personne n'en a la certitude ». À quoi faisait-il allusion ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Thank you.